Ouais. Ça marche, non? Ça fait quelque chose que le tonté, non? Ouais, ouais. Ok, ça marche alors, ok. Bon, maintenant on a fait le parti dans mon visage. Attendez, attendez! Alors. Ça part dans mon village, ça part dans mon village au Kola, c'est pour moi ici. Attends, vive ça bien. Monte, non, monte, oh monte déjà. Rentre là, c'est vite, tu mets ton main, monte. Monte. Oui, on va te placer là-bas, pardon. Ouais, monte. Ouais, ouais. Voilà. Attends un peu. Ah. Ok. Ça lance bien. Voilà, ça marque déjà. Ne cache pas la caméra devant là. Ça marque ici, non? Attends. Voilà. On va filer comment il veut les deux par contre. Ouais. Ah, ça, c'est les constructions, hein. L'argent est dur. Ah, mon petit, il faut travailler, hein. Ok. Ça, c'est la maison de quelqu'un, la sœur de quelqu'un. Bon. On est là combien de parpaings? Ça c'est bien, c'est 200 parpaings qui doivent monter. Bon, mon petit, viens, viens comme ça. Là. Voilà. Ok. La vie appartient à ceux qui travaillent dur. Hein. Oh. Regarde mon type. Regarde. Il est encore parti. Motif, pour élever 475, par contre, on peut dépasser combien de sacs de ciblage? Un coup. Hein? Motif! Attends, viens pas appeler. Il m'a posé. Non, ne coupe pas, mon petit. Pourquoi il y a que pas ça? Attends, je vais appeler quelqu'un là, il va confiner. Nous sommes au chantier ici, comme vous voyez. Nous sommes au chantier ici, sur une petite construction là, de ma maison. Donc, moi, c'est Daniel Nikon, le patron de YouTube. L'un des célèbres journalistes de la télévision de la place. Ici, là, nous sommes à la construction d'une maison dans mon village. Donc, on est venu commander 475 parpaings. Allô? Oui, il dit que 475 parpaings peut prendre combien de sacs de ciment? Oui. 5 sacs. Hein? C'est quel ciment qu'on prend? Il y a le ciment de 5, il y a le ciment de 5400. On prend quel genre de ciment? Robuste. Il vend ça à combien? Robuste. Hein? Ok. Alors, tout à l'heure. Voilà. Bon, mon petit, coupe-moi la vidéo là-haut. On va. Ok, coupe là-haut. Maintenant, tu vas filmer qu'elle est montée dans le caveau ciel.